Philippe fait gros déclaration, li tacler international là et puis li salambé international là qui la gué Haïti nan crise lié yo. Gros nouvelle sous commandant en chef force kenyan nan et puis tout qui te nous dire au ministre là annoncé yo pral vide l'argent sous parents élèves qui dans l'école publique yo. C'est tout point ça yo ak kek lot nou pral wè nan vidéo ça. Quel que soit côté ou regarder ak tande nou, n'ap di ou bonjour, li capable bonsoir tout. Bienvenue sous channel qui là pour informer ou là pour une nouvelle vidéo. Ambassade République Dominicaine en Haïti te recevoir 6 août ça dans Port-au-Prince Godfrey qui c'est commandant mission multinationale à Pi Sécurité. Selon un communiqué mission multinationale à Pi Sécurité a fait connaître Godfrey lui-même, il t'est rencontré avec Farouk Miguel Castillo, ambassadeur République Dominicaine. Pendant visite coup trois ça, ambassadeur Castillo t'a réitéré engagement pays là pour capable soutenir force multinationale là, une façon pour capable aider Haïti combattre insécurité. L'autre nouvelle, 1er octobre 2024, c'est date qui retenu pour ouvertir l'école là, et bien pour année académique 2024-2025 là, c'est ça ministère éducation nationale et formation professionnelle lui-même lui annoncé la date 6 août ça. Et bien sans pour autant aborder problème insécurité a, yo fait qu'on est 1er octobre l'école là lui-même l'a l'ouvrir. Nan moins que deux mois, et bien jusqu'à présent là, insécurité lui-même a fait le plein tout partout sous Tibouté des Salines. Est-ce que y a un arrangement qui va le faire? Est-ce que nèg yo pral réduit insécurité pour l'école là capable d'ouvrir pour tout le monde qui a gagné accès? Parce que dans le moment n'a parlé là, Haïti vini un pays côté ti moun yo pa gen accès à aller l'école parce que on portion ti moun ka aller on l'autre portion pa ka aller. Ça vini surtout à cause violence nèg exam yo, à cause gen yon série de zones c'est bandi ki yo même occupé zone sa yo, c'est yo ki wa nan zone sa yo, ça cause ti moun yo même yo pa ka sorti nan zone yo à l'école, en pile l'école nan zone sa yo tout abandonné. Et puis l'autre nouvelle qui nous dit ou gagné Guy Philippe monsieur là qui lui-même fait gros déclaration monsieur qui lui-même salambé international là qui fait qu'on est international là c'est lui qui la gué Haïti côté Haïti ya monsieur tout lui parler concernant force multinationale là force kenyane qui déjà sous sol là lui parler de ça n'a pas invité ou suivre comment et Guy Philippe lui-même lui t'a parlé et puis tout ou capable d'en dire comment lui t'a abordé quelques questions que journaliste t'a posé dans une intervention le fait dans une émission qui en pile monde remettant dit. Bonjour, bonjour, nous saluons tout le monde qui sous panel, tout le monde qui attend nous, qui écoute nous quelque chose à côté. Donc c'est un plaisir tout pour nous festivaliser ce matin. Bon, et nous comptons rejoindre nous après un long temps de silence, t'as qu'à dire d'observation ou d'annoncer ou à content qu'on va parler pour pas pour ne pas dire c'est ou cap crasé qui empêcher monde travail, qui empêcher au gouverner gens ou doit gouverner ou d'annoncer ou à parler jusqu'à mois d'août. Effectivement, nous dans mois d'août. Qui sa observation yé, le constat, qui j'ont gardé déroulement sa cap déroulé là avec le conseil présidentiel, le premier ministre Garry Conille et PIA. Comment vous regardez ce qui a passé? Soit vous regardez, soit bien entendu samedi depuis avril, et le nègre a parlé de conseil présidentiel, de formule CARICOM, nous avons déjà dit, mais qui j'en va le finir. Parce que j'en été fait là, depuis là, été fait là, tout le monde, que ce soit qui petit mafia, si intelligent, si apatride, qui mettait un. Ensemble avec l'international pourri, et puis mener Haïti côté de là. Donc c'était à prévoir, tout le monde te connaît, c'est là nous allons. Et nous te disons, c'est là nous allons. Ouvre 9 nègres dans le parti politique, tout le monde est de là, il y a un laser, il y a besoin de l'argent, il y a un monde, il y a pas passer, il y a fait toute vie aux politiciens, il y a pas aller dans l'élection même pour Azek, il y a pas passer. Non, il n'y a pas capable. Donc il y a un jeune international aussi corrompu, pourri. Qui seul plan, c'est affaiblir l'institution Haïti, craser Haïti, pour le piller richesse, non? Qui offre yo magistrature suprême. Donc, 9 intelligences à rentrer, yo prend pouvoir, yo nommé Choule Blanc encore, premier ministre, et puis qui sont dépensés, qui plan dépensé. Yo soit disant, yo bien compte entre yo, et puis on a tout combiné. Rencontre, réunion, 2-3 heures du matin, pour séparer, partager, piller, craser pays. Et ça, sous yeux complices internationaux là, et ça qui fait mal là, c'est sous yeux et complices presque m'a dit jeunesse haïtienne. Pas même qu'à comprendre. Je complice jeunesse haïtienne là. Oui, jeunesse haïtienne là. Haïtienne, comme vous voulez dire que tout ça qui a passé là, c'est parce que jeunesse t'a croisé, bras l'a regardé faire passer. Justement, c'est ça m'a dit depuis nous commençons le mouvement révolution. Depuis le premier jour, je me parle de révolution, moi je dis son révolution pacifique. Et c'est sous le peuple là. C'est le peuple là qui pouvait.
nous cap montrer le route là, nous cap dire mais ça pour faire, mais faut que jeunesse prenne conscience. Regardez pour Bangladesh, là moi ce que une semaine, il a tué 300 jeunes. Mais ça pas empêcher que hier soir Johnny prend bureau premier ministre. Il a forcé le démissionner, il a forcé système n'a fait pas. Bangladesh, back. Oui. Mm-hmm. Non, une semaine, il a tué 300 jeunes. Regardez jeunes. Mais qui occasionné et passivité ça la jeunesse haïtienne et sénateur Guy Philippe. Moi c'est pauvreté extrême là. Ah oui. Mm-hmm. Désillusion et politiciens une après l'autre plus corrompu que l'autre plus mal que l'autre. Il dit que jeune parce que pas bien repère encore. Il n'y a aucun monde confiance encore. Mm-hmm. Il va même faire tête de confiance. Il va apprendre nous pas faire tête de confiance. Mm-hmm. Il va apprendre nous que Haïti son pays qui finit. Mm-hmm. D'ailleurs, il a ouvert chaîne, il prend tout petit peu de pensée, ou du moins majorité là-dedans. Il y a le Chili, il y a le Brésil, il y a les États-Unis, il y a le Biden. Il a drainé tout son pays. Alors là, sénateur, est-ce que nous quatre d'ici, jeunesse qui est responsable? On dit là, c'est des gens kidnappés. Ils ont décrit la situation, c'est des gens kidnappés. Ils ont pris un complot et ils ont là dans le c'est ça fait, ils ont pas même. Le monde dit que c'est la responsable. Moi-même, je dis à moi accuser jeunesse parce que c'est lui seulement. Mm-hmm. Qui t'a sauvé nous. Mm-hmm. C'est jeunesse, c'est peuple haïtien en général seulement mm-hmm. qui t'a changé Haïti. En attendant, moi, je m'étais des haïtiens qui parlent de révolution, de l'Afrique de l'Ouest, de bagaille. En Afrique de l'Ouest, par exemple, Thomas Sankara. Mm-hmm. Traoré, l'Igon là, mais quoi dans le pays, lui? Oui. Nèg Niger, nèg Mali, yo gon l'armée qui quoi dans le pays, yo gon police nationale qui quoi dans le pays, yo. Ici, tout gon police nationale vendu. Ou gon force armée d'Haïti pourri et vendu. Force armée d'Haïti pourri et vendu. Ça va blesser. Soit on brille, on va me garder là. Lui, comme même fait, non? Les noms mènent déjà. Attendez. On explique comme ça va blesser pour autant. Pas de policiers qui crèment Haïti. Oui, oui. Qui ont sacrifié vie pour Haïti, non? Ça va blesser pour autant. Pas de militaires qui ont sacrifié vie pour Haïti, non? Mais comme institution, comme mon cap dirigeant institution, ou état-major et force ça, yo pourri. Il n'y a pas grand monde qui a assez force dans la force ça pour dire non. Des autres arrivent donc. Comment comprendre? On est libre même qu'à bailler l'aide de créance comme ambassadeur, la faire rencontre avec le chef Lamour, mon pays, ambassadeur, la faire rencontre avec le chef Polissou, la parler de la définie politique sécurité ton pays, un pays souverain. Et puis pour mon chef Lamour, parce que ça est normal. Pour ambassadeur, pour même présenter l'aide de créance, il y a l'ordre. Pour chef de police accepter pour lui dire ça, c'est normal. Et qui paye, il n'a fait comment? Mais même sénateur, gros l'autre aspect pour nous, là, tout. Et en pile fois bon pendant 5 années qui passé là yo moun yo pas ka prendre la rue ya, mais en pile fois c'est pas faute yo non mais là regarde pression qui gagne en deux quartier populaire avec monsieur Kazam yo moun yo difficile vraiment pour font lever campé ajouter à cela les moun yo récit fait sortir ya nous recommande la police yo. Exactement mais c'est ça que tout à l'heure là. Attendez, ambassade américaine, je ne vais pas dire l'international parce que l'international est vague. Moi, je dis nommément ambassade américaine. Il contrôle les forces armées d'Haïti. Oui, il contrôle les forces armées d'Haïti. Il contrôle la police nationale. Il contrôle M. Axamio. Ou après que chaque fois, il y a un groupe dans l'ONU. Attendez, il y a un contact continu avec vous. Il y a un contact continu avec vous. Moi, je dis, qui est-ce qui forme vous? Moi, je dis, madame Laline, qui est-ce qui forme vous? Côté aux jeunes âmes. Yo fini utiliser une équipe jeune, yo profiter de vulnérabilité jeune ça. C'est du jeu là sénateur, gang ça que nous gagne à travers tout pays là, c'est les États-Unis même qui forme yo, qui baose avec qui rend opération de lui. Dit ambassade américaine, moi dit et me camper derrière, il m'a expliqué. M'a expliqué que dans dernier 30 années ça yo, et ambassade américaine assurer que Haïti toujours monde qui a gouverné c'est tout lié. Yo crasé toute institution yo. L'armée d'Haïti il crase Téléco, il crase Naol, il crase, il force au fond ajustement structurel, il force à mettre pays à genoux pour accepter comme peuple. Il monte sous. Il vient mettre dans une situation où chaque grain nègre qui vient président, premier ministre, ou bien directeur général sont gros volets, un gros chat, un gros tigre, qui a pillé seulement. Avec intention pour quitter Haïti, à vivre à l'étranger. Oui. Ok, là, on va vous dire que l'ambassade américaine. Je tout connais côté, après retourner, après au fin de travail. Non, on va vous dire que l'ambassade américaine, pas qu'on est, que toute la corruption, qui a gangrené conseil et président, c'est là, c'est vrai, oui. On va vous dire pas qu'on est que n'est-ce qu'on a corruption, oui. Ou j'aime te dire, hein. Au contraire, j'ai l'impression, les mains sales, les ça ou plus bon partenaire et les États-Unis, les mains sales. Mais c'est ça, ils veulent pour des dossiers sous dos, pour les autres faire à droite, pour faire à droite, l'autre faire à gauche, faire à gauche. C'est ça que fait, ils ont toujours bataille, il ne faut pas qu'il y ait aucun nègre sérieux qui vient dans tes pays.
aucun nèg qui propose nationaliste li les temps pour François Maniga il y a crasso rapidement parce que pas veut ça yo pas veut Haïti saute en salia là pour continuer piller pour continuer à faire bien institution nous pour continuer faire Haïti à voter. OK, qui monde qui baille Edgar Leblanc mandat, qui peuple qui t'a voté qui baille le mandat pour aller voter contre Venezuela? Qui monde qui mandate-t-il? Au nom de qui est-ce? De patron, de maître qui mette le nom pouvoir que le patron gagne, même gazette qui patron gagne. Alors c'est ce même Edgar Leblanc, le président du conseil, qui arrive l'autre bois à Grenade, dans CARICOM, qui dit tout va bien, qui explique à l'international, là tout va bien marché jusqu'à présent. Ah la oui, vie, oui, la oui, en attendant, Edelfon, il y a n'importe 7 millions, 8 millions de gouttes par mois, pour chaque grain. Il y a une belle machine, il y a un cobre pour le deuxième caille, il y a un cobre pour le maîtresse sur le bagaille. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ça lié pour les gens. Il n'y a pas de venir là, il ne défend pays. Là, il ne peut pas voter, il ne pas venir faire plaisir. Il ne faire patron au plaisir. On essaie de regarder, sénateur. Là, nous disons ici, il y a plusieurs invités. International, là, bon, on met les droits dans l'ambassade américaine. Il y a plusieurs possibilités devant, il y a plusieurs propositions. Nous rappelons proposition PAO, tu as également cassation qui sous table là, également et conseil là. Mais ces conseils, ça a été by bénédiction et nous qui embarqué. Là, nous en trois mois plus tard, jeudi à conseil ça, nous sommes tapés tout à l'heure et je pense que tout le monde qui a attendu, qui a regardé ça qui a passé là, le bilan c'est zéro. Et qu'on s'en débat à côté déjà dit, nous là, de là, nous vivons jeudi. C'est scandale sous scandale. Si nous avons gardé ça qui passé avec question BNC, côté trois conseils impliqués directement dans le mandat, dans le marchandage avec un président de conseil BNCA pour bailler 100 millions de gouttes pour le rété, gagner plusieurs démarches qui ont fait, nous ça qui a passé au commencement. Je dis à le conseil présidentiel avec international, là, qui ban nous force multinationale, ça, qui ça nous peut comprendre, qui ça nous a dit de vous finalement après trois mois, quand tu as fait constat ou tu as observé. Moi-même, moi, je te dis, je te promets que, une fois que le pouvoir est tombé dans la main, dans la révolution, dans 90 jours, nous avons la paix, la tranquillité. Et nous campons derrière samedi, là. Mais pour gagner la paix, la tranquillité, un pays supposé payer prix, toutes les autres qu'il a accepté, fait la caille. Ils ont fait 5-6 ans, ils ont armé, jeunes garçons avec jeunes filles. Je me bats là, moi-même. Et dans la prison, je me dis, je me kidnappé. Mais on fait 5-6 ans, ils ont armé, jeunes garçons, jeunes femmes. Dans les yeux de société, on n'a dit rien. Même les plein, font si plein. Madame Laline vinil dit faut que tout le monde mette tête ensemble. Nous m'a dit c'est madame Laline tout ça le dit oui. C'est l'ONU, c'est BINU, c'est bagage, c'est normal. Nous dit non, nous sonnons sonnette là, nous dit non, on va pas prendre ça encore. Bon gens pour nous sortir dans l'insécurité, bon gens pour mener la paix. L'école va l'ouvrir. Comment tu m'y galle l'école? Hein? Même mon local jodi a plein, yo va cap venir, yo a chon équipe bus, yo doué la banque, yo va cap faire commerce yo, parce que l'état va cap permettre yo traverser, il ca fou grisier, puis al fait job yo. Tout le monde depuis combien d'années yo accepté le. Malgré que m'do bon plan, bon jeune cap sorti, blanc dans tout arrogance. Na toute indécence li pour me dire parce que li indécent, très indécent. Li paraît avec solution puis pas bon. Nous des problèmes avec cassation. Parce que cassation, comme mon responsable justice dans le pays, il n'y a pas de mot dans toutes les autres. Oui. Il n'y a pas de mot. Il y a en silence. Donc, il y a complice de des autres. Il y a quitté blanc fait des autres. Là. Oui. Si le pouvoir judiciaire a été campé, il dit ça sont des autres liés, ça va rien doit faire. Il y a pouvoir pour ça, pour le dire ça. Il y a pouvoir pour le faire, mais il n'y a pas de faire. Il y a un visa, il y a un petit bagage qui est intégré dans notre pays. Donc, on arrive dans le pays en déconflit comme ça. C'est ça le peuple là qui a retiré dans sa là. C'est ça le jeunesse là pour prendre responsabilité.